Le papyrus Bodmer est écrit en grec. Comme tous les textes les plus anciens du Nouveau Testament, il a été trouvé en dehors de Palestine. C'est également en dehors de Palestine que les évangiles auraient été écrits dans leur forme finale, peut-être à Éphèse, à Antioche, voire à Rome. Hors de Palestine encore, que les chrétiens auraient reçu leur nom. Comment Jésus le Nazaréen crucifié à Jérusalem sous Ponce Pilate et qui n'avait d'autre horizon qu'Israël a-t-il pu être connu à travers l'Empire romain sous le nom de Christos et devenir Jésus-Christ. Im Johannes Evangelium 19 16 bis 22 lesen wir folgende Worte zunächst auf griechisch. Tote un pa edoken auton autos hina storote. Par un ton Jesu. Kai bastatzon heotot tonstoron XLten Aiston legomenon cranio topon holegetai Ebraisti golgatha Hopu auton Estourosan kai Autu. alus duo enteuten kai enteuten maison de ton jesun je crois que là il faut partir de Flavius Joseph Flavius Joseph est un historien juif du 1er siècle qui nous donne tout de même un certain nombre de renseignements, même si quelquefois il faut aller un peu à la pêche à la ligne. C'est-à-dire que il nous, son but n'est pas d'abord de nous renseigner sur le 1er siècle, mais de nous, soit de nous présenter la guerre juive du point de vue romain, soit de rappeler l'antiquité du peuple juif. Nous avons nombre de renseignements intéressants. Alors Flavius Joseph est un prêtre de Jérusalem. Qui est né en 36, c'est-à-dire au moment où Pilate a disparu de la scène quelques années après la mort de Jésus, et ce prêtre a été impliqué dans la guerre euh, entre les Juifs et les Romains. Et ce prêtre, de toujours, a, a écrit différentes choses sur la guerre, sur l'histoire de son peuple, etc. Et dans la dernière édition de son, de, 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 de son œuvre, dans les Antiquités. Il parle effectivement de Jésus, puis de Jean-Baptiste, dans cet ordre. Pour commencer, je vais peut-être rappeler quel est ce texte de Flavius Joseph dans les Antiquités juives euh, au, au chapitre 18. En ce temps-là vécut Jésus, homme sage, si toutefois il est permis de l'appeler un homme car il accomplit des œuvres merveilleuses et enseigna les hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il entraîna bien des Juifs et bien des Grecs. Il était le Messie. En grec, au Christos utos en. C'était bien le Messie. Et les principaux d'entre nous le dénoncèrent. Pilate, l'ayant fait mettre en croix, ceux qui l'avaient aimé n'y renoncèrent pas car il leur apparut après avoir repris vie le troisième jour, les prophètes divins ayant du reste prédit cela de lui et bien d'autres prodiges. La race des chrétiens, qui tire de lui son nom, existe encore aujourd'hui. Alors, grave question. Dans l'Antiquité, on a pensé et on a vénéré Joseph parce que lui qui était juif, du fait qu'il parlait de Jésus, c'était un témoignage indépendant et donc fiable. Mais ensuite, ultérieurement, on s'est dit, mais c'est tout de même un peu bizarre, parce que ce qu'il dit, comment est-ce qu'un juif a pu dire une chose pareille Est-ce que par hasard, ça n'aurait pas été une interpolation chrétienne alors, tous les manuscrits que l'on possède de Flavius Joseph, hein, bon, des phrases qui commencent par « À cette époque-là, il y eut un homme sage nommé Jésus, si tant est qu'on puisse l'appeler un homme, etc. Et » Là, on se dit, mais tiens, c'est curieux, si tant est qu'on puisse l'appeler un homme, hein, donc euh, Flavius Joseph croirait donc que Jésus est Dieu, ça paraît bizarre, on a l'impression que dans les manuscrits, il y a eu un remaniement par une main chrétienne. C'est possible, c'est pas sûr parce que c'est pas la seule fois, somme toute, où Flavio Joseph, hein, ou d'autres à son époque, même des historiens, de l'époque, on pouvait parler des gens, on les appelait les hommes divins, si vous voulez, hein, De gens, bon, à la stature, facilement, qu'on assimilait plus ou moins à des dieux, et somme toute, les empereurs, facilement, s'appelaient facilement des filius de, hein, des des fils de dieu, et, et ils s'élevaient facilement, comme les pharaons autrefois, hein, au, au titre avec quelques titres de divinité. Bon, mais cela dit, on peut quand même douter, on peut se demander, parce que tout de même, tous ces manuscrits, évidemment, vous, vous en doutez, tous ces manuscrits de Flavius Joseph, comme tous ces manuscrits de l'Antiquité, hein, les, les Platons, les, tout ce que vous voulez, eh bien, ont été copiés et recopiés par qui Par des mains chrétiennes, hein, dans quelques officines bénédictines et autres. Hein, C'est ça, le védicat, entre autres. Ça, hein, voilà. Donc on peut se demander s'il n'y a pas eu un petit peu comme un remaniement. C'est la chose possible. Flavius Joseph Mort à Rome vers l'an 100, publia ses livres en langue grecque à l'usage des sujets de l'Empire romain. Malheureusement, les exemplaires les plus anciens de la guerre des Juifs, ou des Antiquités, remontent seulement au IXe siècle. Dans ces conditions, comment être sûr de l'authenticité du passage concernant Jésus dans les Antiquités juives? où il s'intercale entre la description d'une émeute à Jérusalem et le récit de sa répression. Est-ce que c'est une addition et une addition intégrale au texte de Joseph, ou est-ce que c'est une amélioration d'une allusion qui aurait été faite à Jésus dans le texte de Joseph La question reste posée. La première chose... Euh, qu'on pourrait faire remarquer, c'est qu'il y a pour un juif, même un juif comme Flavius Joseph, un certain nombre d'expressions qui sont impensables sous sa plume, non pas dans le style où il est rédigé, parce que ce texte correspond bien à un certain vocabulaire, à une certaine, une certaine tournure de phrase de Flavius Joseph, mais on voit mal comment quelqu'un qui aurait dit et écrit de Jésus, si toutefois il est permis de l'appeler un homme, il était le Messie. Euh, il est apparu à ses fidèles après avoir repris vie le troisième jour. Les prophètes l'avaient prédit. On ne voit pas comment cet homme ne se serait pas précipité vers les chrétiens pour dire Je suis chrétien. Puisqu'en somme, c'est la figure très exactement du Messie, du Christ, tel que les évangiles en particulier essaient de le, de le présenter. Tout procède un petit peu d'un anachronisme parce que la question est-ce que lorsque le mot Christos venait sur la plume de Joseph est-ce que ça voulait dire automatiquement Christ au sens où l'entend maintenant ou au sens de messie c'est pas sûr c'est pas sûr du tout le seul autre endroit où Joseph parle et utilise ce mot Christos c'est pour parler d'un mur parce que le mot Christos veut dire aussi bien euh, ouin que barbouillé, que enduit, que peinturluré, que, etc. C'est le cas en grec. En hébreu, il y a des mots différents pour tout, 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 toutes ces choses-là. Deuxièmement, la fin du texte est très claire. Jusqu'à présent, la race des chrétiens dénommée d'après lui. Quel est le lien entre Jésus et les chrétiens hein? Il faut bien un, un lien lexical nommé d'après lui, donc d'après ce Christos. Donc il est obligé de, 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 de donner le nom Christos, que je crois être ici simplement une étiquette. Euh, les auteurs grecs, comme chacun sait, n'aimaient pas citer des noms barbares ou des mots barbares, et on réduit au maximum le nombre de noms empruntés à des langues autres que le grec, euh, et par conséquent, on emploiera plus volontiers la traduction Christos. Euh, qui veut dire, comme le, comme le terme euh, hébraïque, celui qui a été oint, sur lequel de l'huile a été versée pour le consacrer. Et ce qui, dans la, la langue grecque profane, veut dire simplement le, le monsieur qui s'est mis de la pommade sur les cheveux, le pommadé, s'il vous plaît. Et c'est comme ça qu'est qu né le nom de chrétien qui très curieusement, les archives des impôts disent que c'est à Antioche que les disciples ont reçu pour la première fois le nom de chrétien, mais le grec du Nouveau Testament donne un nom latin, parce que Christianos, avec ce suffixe-là, c'est une formation latine. Donc, c'est bien des Romains. Comme toujours, les Romains qui administrent les choses qui ont toujours un point de vue très terre-à-terre très -terre et pragmatique ont vu que un, un segment de la population juive, agité pour des raisons liées à un certain Christos, Christus, etc., semait la pagaille et trouvait l'ordre public. Donc ces casse-pieds sont Christiani, en latin. Le terme apparaît, vous le savez, dans le livre des Actes, au moment de, du récit de la première évangélisation chrétienne à Antioche, en Syrie, la grande ville du nord de la Syrie, une ville très cosmopolite et bien... Culture principalement grecque, et il est clair que ça a été dans cette grande ville une désignation utilisée par de façon un peu méprisante ou pour tourner en ridicule les chrétiens. Euh, la terminaison euh, "ianos" Yanoï au pluriel une terminaison qui est directement calquée sur le latin et qui veut dire celui qui est partisan d'eux. Donc les Christianos, ce sont les partisans du Christ euh, ou peut-être du pomadé, si on veut. était un sobriquet donné par les païens. Ah, oh, les gens qui croient à Christos. Bon, ça n'était pas glorieux pour eux. Les chrétiens se sont sans fait gloire parce qu'ils croyaient en Jésus comme Christ, c'est-à-dire Messie d'Israël et Fils de Dieu. Bon. Ces Christianoïs, ces partisans de Jésus, donnent l'image de gêneurs qui troublent la paix romaine. Jésus lui-même doit-il être replacé parmi ceux qui, comme Judas le Galiléen ou le prophète Todas, tentèrent de restaurer le royaume d'Israël Jésus N'est pas le seul prétendant messianique que l'on rencontre à cette période, et qu'au contraire, on peut savoir, grâce aux sources qui nous sont parvenues et qui ne sont pas si nombreuses, que cette période a été vraiment une période d'effervescence messianique et que euh, il y avait toute une série de personnages qui se sont levés, qui se prétendaient les uns rois, les autres prophètes, et qui euh, proposaient tous, d'une manière ou d'une autre, de chasser les romains. Est-ce qu'il vaut bien voir que le cas de Jésus n'est pas, pas un cas singulier d'une certaine manière on parlait tout à l'heure de, de Theudas, euh, ce prophète dont il est question aussi dans Actes, chapitre 5, verset 37. Bon, voilà un prophète, je vous ai dit, un prophète qui a euh, donné un petit peu comme leur idéologie hein, à, à des groupes plus ou moins armés qui voulaient se retirer au désert et faire leur coup de main contre les Romains. Hein. Bon, ce Theudas est, est, est mort, décapité. Bon, euh, le, le prophète égyptien avec ses 4000 sicaires aussi, vous voyez, là, euh, dans il est question aussi dans Acte 21. Donc voilà, le, le cas de Jésus, d'une certaine manière, n'est pas en soi isolé. Euh, les, les, les Romains avaient fort à faire dans ces commencements de troubles, ai-je dit, depuis Judas le Golanite ou Judas le Galiléen. Hein, ils avaient fort à faire justement pour essayer de juguler un petit peu toutes ces tendances et imposer leur pouvoir. Le messiaire... L'attente d'un roi messianique a toujours joué un rôle. C'est un problème de fond pendant tout le premier siècle. On peut comprendre que les Romains en aient eu peur. Ils pouvaient craindre de perdre le contrôle de la situation. Cela dit, ils craignaient moins Jésus à titre individuel que les espérances qui risquaient de se cristalliser dans le peuple sur des personnages comme Jésus. Flavius Joseph, au livre 20 des Antiquités juives, dit que de nombreux prophètes se sont dressés en Judée au milieu du 1er siècle, 10 ou 20 ans après Jésus, des prophètes qui se retirent au désert et font des miracles. Et les gouverneurs romains ont toujours envoyé des troupes pour les faire tuer. Vous pouvez vous demander si les Romains pensaient vraiment qu'ils feraient des miracles et rempliraient les espoirs de libération. Probablement pas. Alors pourquoi ils prenaient ça au sérieux? La première œuvre de Flavius Joseph, La guerre des Juifs, raconte la même histoire. À chaque fois, ces prophètes levaient des révoltes et se faisaient tuer. C'était des rebelles contre Rome. Et l'attitude des gouverneurs romains est très compréhensible. C'est après avoir passé 20 ans à Rome que Flavius Joseph a écrit les antiquités juives, ce qui l'a amené à détacher le judaïsme de sa dimension nationale, à séparer l'État de la religion. Alors il cherche à ce que tous les Juifs en fassent de même. De toute manière, pour Flavius Joseph, il va se dire, tout cela, ce sont des imposteurs. Alors il va introduire, vous allez dire que... Dans un cas comme dans l'autre, les qualificatifs sont tout de même très durs et je pense pas très justes. Il ne va pas parler de messie, de prophète, c'est pas ça qui l'intéresse. Il veut surtout pas laisser entendre aux Romains qu'il y a un mouvement messianique en Israël, mais il va parler de bandits et d'imposteurs. Et quand vous suivez les textes, vous êtes tout à fait frappé par le fait qu'en général, les bandits, ce sont des gens qui ont essayé de se faire proclamer roi et ils n'ont pas dans Flavius Joseph. Un très beau visage. Et de l'autre côté, les imposteurs on sent qu'on se rattache à une autre tradition d'Israël, qui est celle du prophète. Ce ne sont pas nécessairement des contradictions. Le prophète pouvait être identifié à la figure du prêtre ou à celle du roi David, qui est l'archétype du messie royal. Quand il entre à Jérusalem, Jésus est appelé fils de David. David était en même temps roi et prophète. Il a composé les psaumes dans l'inspiration prophétique. Il est l'un des plus grands prophètes comme Moïse. Il ne faut pas plaquer notre mode de pensée analytique sur la mentalité des Juifs de Palestine. On y concevait une multitude de perspectives, d'approches différentes pour une même chose. On pouvait aussi lui donner plusieurs noms. Dans le judaïsme, la royauté a disparu avec la prophétie. S'il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de royauté. C'est pourquoi Jésus est à la fois roi et prophète. Ça va nécessairement ensemble. Moïse est appelé roi d'Israël. Dans la Bible, il n'est jamais écrit que Moïse est roi. Mais il symbolise la royauté. Dans le judaïsme, la prophétie et la royauté vont de pair. Il y a cent ans quand on analysait la Bible, on disait il y a roi et il y a prophète. Mais c'est faux. En fait, la conception traditionnelle l'île les deux notions. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, on lit ⁇ Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ ⁇ Et plus loin, dans le dialogue avec la Samaritaine, ⁇ Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ ⁇ De nombreux éléments montrent que l'arrière-plan de l'Évangile selon Jean est totalement juif. Mais à l'époque où il est écrit, la communauté des croyants est déjà distincte de la synagogue. Elle est davantage tournée vers le monde grec. Elle accueille des convertis qui ne viennent pas de la synagogue, des gentils, des non-juifs. C'est pour cette raison que certaines coutumes juives sont expliquées, et même certaines expressions. Dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, il est dit que Jésus est le Messie, et c'est traduit par ce qui signifie Christ. Cette traduction serait inutile pour un lecteur juif, mais elle est destinée aux gentils. On voit donc que l'Évangile de Jean repose sur un arrière-plan complètement juif, mais qu'il commence à être transposé pour un public grec. Dans la première partie de l'Évangile de Jean, on trouve le mot Messias en grec. C'est la forme grecisée du mot messie en araméen, Mashiach. On l'explique ensuite et c'est traduit par Christos. L'évangile de Jean indique comment la communauté comprenait ce mot. Messias égale Christos égale Christ. Voilà. Dans les autres textes du Nouveau Testament, jamais ce n'est expliqué comme ça. Ça permet de comprendre que chacun sait que le mot Christos remplace le mot Messie. Mais dans certains passages, quand vous avez Christos dans le texte grec, il faut continuer à le traduire par Messie. Et là, pour nous, ce mot Messie, Christ, bon, c'est un mot qui est devenu presque un peu anodin, c'est presque devenu un nom propre, Monsieur Jésus-Christ. Le mot Christ n'a plus de fonction, en quelque sorte. Tandis qu'il faut bien entendre ce mot Christ, hein, ce mot Christos » en grec, hein, ce mot Ou Messie, Ou Roi, c est, c est, c est, tout cela se correspond, avec au départ enfin, un sens fonctionnel et, et toujours quelque peu dangereux. Le, le mot, mot Messie, messiah, Mashiach, on dit aujourd'hui que c'est un mot explosif. explosif. Le terme le de Messie se trouve dans la Bible au début de la Torah, il concerne les prêtres. Il apparaît ensuite dans le livre des prophètes. Quand le prêtre reçoit l'onction du prophète, c'est ce qui le fait Messie. À la fin de la période des juges dans la Bible, la royauté commence, le mot messie réapparaît. Il ne concerne plus le prêtre, il concerne le roi. C'est très clair. C'est le participe passé du verbe masha c'est mettre de, de l'huile pour consacrer un roi. Cette prétention à la royauté est simplement liée au nom de Messie que Jésus a revendiqué. Le Messie en hébreu, Mashiach, cela veut dire celui qui a reçu l'onction. C'est le titre normal de tous les rois descendants de la maison de David. Quiconque se prétendait roi des Juifs se prétendait en fait Messie. Mais dans le, dans le sens hébraïque du mot Messie, pas dans le sens le donné messiah, par la traduction grecque Christos, Christ, Christ tel qu'il est apparu euh, ensuite. Mais dans la tradition propre au judaïsme, quelle place occupe la figure du Messie Correspond-elle à une attente que partagent tous les Juifs autour du premier siècle et sous quelle forme doit-elle se réaliser Si je prends un peu par la, la périphérie, on voit par exemple, euh, au moment de la crise maccabéenne, hein, Judas Maccabé, qui est le libérateur, qui fait la guerre messianique, d'après le Théronome, etc., qui conquiert Emmaüs, qui retrouve Jérusalem, qui est un peu le modèle du zélote, pour dire les choses brièvement, jamais n'est qualifié de messie. Donc, l'attribution d'une étiquette « messie », euh, ni lui, ni même Judas Galiléen n'est pas appelé, mais, mais sinon, non, 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 non plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça Est-ce que ça veut dire que l'étiquette euh, Messie attend que quelque chose est réussi, qu'elle est disponible, mais pas vraiment euh, attribuée tant que... C'est pas très clair. Euh... Mmh. Il faut, dire que la figure Il faut dire aussi que la figure du Messie est bien moins nette et concrète dans le judaïsme. Elle est bien plus évanescente que ce que nous concevons d'ordinaire du point de vue du christianisme. Pour nous, la figure du Christ est centrale. Nous sommes habitués, au moins dans la tradition, à y référer une série de textes de l'Ancien Testament qui ont été interprétés comme des prophéties de la vie de Jésus ou de l'Église. En réalité, dans le judaïsme, avant, mais aussi en dehors de la vie de Jésus, la figure du Messie ne renvoyait pas un personnage réel qui aurait vraiment existé dont la vie pourrait être confrontée la à l'Ancien Testament. Testament. Elle, Elle se référait, référait au contraire à un, à un personnage que l'on attend. Donc le titre de Messie comme figure individuelle n'était, on se rend compte maintenant, absolument pas aussi répandu qu'on le dit. Euh, il apparaît quand Il apparaît dans les psaumes de Salomon. Psaume de Salomon 17 et 18. Et... Dans quelle atmosphère sont écrits les psaumes de Salomon On pense qu'ils émanent de la piété pharisienne, piété pharisienne où se manifeste une attente messianique qui, justement, dans ces deux derniers psaumes, 17 et 18, construit l'image d'une figure individuelle qui va venir libérer le peuple. Dans les psaumes de Salomon, il est écrit Que Dieu purifie Israël pour sa bénédiction. Pour le jour de la miséricorde, pour le jour choisi où il suscitera son Messie. Heureux ceux qui vivront en ces jours-là, afin de voir les biens que le Seigneur accomplira pour la génération à venir, sous le sceptre correcteur du Messie, dans la crainte de son Dieu, avec la sagesse de l'esprit, la justice et la force. Or, ces psaumes de Salomon, écrit dans les dernières décennies avant la naissance de Jésus, traduisent le choc que représente l'invasion des troupes de Pompée dans la Palestine et la profanation du temple de Jérusalem par Pompée. C'est qui est intéressant. C'est-à-dire que le titre de Messie intervient au moment où la, la société juive proteste contre l'invasion de l'Impie. Donc vous voyez le lien qui s'opère à la naissance, là, entre euh, la naissance et l'apparition du titre de Messie, entre euh, cette agression politique et religieuse, et la création d'une figure individuelle qui va devenir la figure purificatrice du peuple contre César. Et ensuite, cette figure va se retrouver, figure individuelle donc, va se retrouver de manière différente et un peu éparse dans l'Apocalypse syriaque de Baruch, dans le quatrième livre d'Estras, euh, notamment au cours du premier siècle. Euh, elle va se développer aussi dans l'atmosphère qui est l'atmosphère de protestation contre la présence romaine. Donc je dirais, la figure individuelle du Messie surgit à un moment où le judaïsme doit, dans ses mouvements de protestation, construire une contre-symbolique. Hein? Construire une contre-symbolique aux moyens mis en place par ceux qui, au fond, avancent et introduisent la modernité dans la société juive. Et cette contre-symbolique, elle va être figurée précisément par une figure de Messie, ce qui montre bien l'ambiguïté folle dans laquelle s'est trouvé Jésus. Mais l'ambiguïté vient peut-être de l'interprétation chrétienne du titre de Messie, tel qu'il apparaît dans la Bible hébraïque. Pour autant, peut-on savoir à travers les évangiles si Jésus s'est considéré comme le Christ, comme le Messie qu'Israël attendait. Évidemment, Jésus a prétendu être le Messie. Pourquoi les chrétiens s'appellent-ils chrétiens Parce qu'ils suivent le Christ. Et Christ veut dire Messie. Toute la religion chrétienne est fondée sur le mot Messie. Si Jésus n'a jamais été le Messie, alors le christianisme n'est qu'une farce. La raison pour laquelle des chercheurs à l'époque moderne ont mis en doute le fait que Jésus ait pu se proclamer Messie, à mon avis, c'est qu'ils se sont rendus compte de la dimension politique du titre de Messie. C'est quelque chose qui a été caché pendant des siècles. Le mot Messie, Christ, a été interprété dans un sens purement spirituel, dans le sens de l'évangile de Jean qui dit ⁇ Mon royaume n'est pas de ce monde, mais son royaume était bien de ce monde. ⁇ Et quand les chercheurs ont réalisé à quel point c'était un terme politique, c'est devenu inacceptable de dire que Jésus avait proclamé qu'il était le Messie. Parce que si c'était le cas, il aurait fallu admettre que Jésus avait été une figure politique. Je ne pense pas que Jésus... Non, je ne pense pas que Jésus ait été salué comme Christ, comme Yeshua Messie. Si ça avait été le cas, écoutez, l'occasion aurait oh, été trop belle pour les premiers chrétiens d'étaler cet élément-là dans l'Évangile. Ça aurait été une occasion extraordinaire de montrer qu'un qu certain nombre de, de contemporains de Jésus dans ce judaïsme qui, dans les années 70, 80, 90, le temps de la rédaction des évangiles, on peut même remonter autant jusqu'à 60 pour l'évangile de Marc, que dans ce judaïsme contemporain de Jésus, déjà certains avaient pu anticiper la confession chrétienne. L'occasion aurait été superbe. Or, ça ne se manifeste pas. Donc, Yeshua n'a pas été de son vivant salué comme Messie, du moins d'une manière forte, publique, spectaculaire. Well, he was il a été salué comme le Messie par Pierre lors de la scène de la salutation. Il a prié Pierre de lui dire qu'est-ce que le peuple pense que je suis. Il a reçu plusieurs réponses. Certains de ses disciples ont dit, tu es Élie, d'autres, tu es Jean le Baptiste ressuscité. Mais Pierre a dit, non, tu es le Christ, c'est-à-dire le Messie. Et Jésus l'a loué pour cette réponse. Donc je crois que le fait d'avoir félicité Pierre montre qu'il acceptait le titre de Messie, même si avant ce moment-là, il ne l'avait jamais accepté. Le problème n'est pas là, le problème c'est que les récits de, des Évangiles dénient au contraire constamment et à la fois la dignité messianique de Jésus. Il n'est pas Christos euh, dans les récits des évangiles. Chaque fois, par exemple, que dans Marc, au contraire, le, le terme risque d'apparaître, hein, tuer le Christ, le, etc. Euh, on fait taire. Donc, c'est peut-être une dignité, mais qui ne doit pas encore être révélée. Et d'autre part, en tous les cas, jamais il n'apparaît comme euh, le roi, euh, le messie roi. Uh, the difficulty is that in the... La difficulté, c'est que dans la tradition évangélique, quand on trouve l'expression celui qui a reçu l'onction ou le Messie attribué à Jésus, Jésus est presque toujours décrit comme celui qui refuse ou qui rejette ce titre. Il n'aime pas cela. Par exemple, dans la célèbre scène, quand Pierre lui dit Tu es le Christ, ou, tu es le Messie, Jésus lui répond Ne dis cela à personne. Le titre est aussitôt couvert de l'ordre de silence, que ce, soit, que ce soit en marque 2, que ce soit en marque 8. Donc l'ordre, la consigne de silence vient aussitôt couvrir ce titre et nous avons là euh, très certainement l'écho au fond de cette distance qu'a voulu Jésus entre l'espoir messianique tel qu'il s'était fixé dans la l'appétit populaire avec ses composantes violentes et nationalistes et la manière dont lui, Jésus, concevait euh, le futur, euh, c'est-à-dire l'imminence de l'avenue du royaume. Donc, euh, la réticence de Jésus à l'égard du titre de Messie, euh, qui a dû sûrement ici ou là être prononcée par des, par, par des gens habités par la, 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 la piété populaire messianique, euh, cette réticence vient certainement de la manière dont Jésus veut couper avec euh, je dirais, la clôture nationaliste du messianisme. Dans le chapitre 14 du livre de Zacharie, le prophète annonce le jour où Yahvé posera son pied sur le mont des Oliviers. Le jour où il sortira pour combattre les nations, le jour où il libérera son peuple des impies. En se plaçant dans le cadre de cette prophétie, Jésus pouvait-il refuser le titre de Messie, sortir de la perspective nationaliste, poursuivre d'autres buts que le salut d'Israël je ne suis pas d'accord avec ceux qui affirment que Jésus n'a jamais accepté le titre de Messie. Je crois qu'il a accepté. Il a accepté, par exemple, lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Il était assis sur un âne, c'est volontairement qu'il a fait pour accomplir la prophétie de Zacharie. C'était vraiment un geste messianique. En actualisant la prophétie de Zacharie, il voulait dire ouvertement. Je suis le Messie prophétisé par le livre de Zacharie. Et il était. Et le peuple l'a acclamé comme fils de David, ce qui est le titre du Messie. Et il ne les a pas contredits. Ça aurait été très cruel de sa part de se laisser acclamer comme le Messie s'il n'avait pas l'intention de répondre à leurs espoirs. Euh, alors, au moment où... Une grappe de personnes là autour des disciples euh, accueillent Jésus. Euh, et dans, dans une célébration, une célébration type messianique, euh, alors assurément, ils ont en vue une restauration politique euh, du, du royaume davidique, et ils ont vu la purification du pays, de la présence de l'impie, de l'oppression que représente le pouvoir romain avec son acculturation à la modernité hellénistique, avec son appareil de taxes euh, très lourde, etc. Donc, bien sûr qu'on a là la trace des, de la ferveur nationaliste que Jésus a touchée. Mais la chose la plus concrète était qu'on espérait la fin de l'autorité romaine sur la Terre sacrée que le pouvoir de Rome sur la Judée était considéré comme une gifle à la face de Dieu, une contradiction. La terre sacrée doit être régie par Dieu qui est tout puissant. Or elle ne l'est pas. Et c'est intolérable. Cela devait cesser, sinon Dieu n'a pas de sens. Et ce qu'on trouve au premier siècle de notre ère, ce sont des gens qui étaient prêts à se battre pour établir les choses telle qu'elle devait être. Et Rome, au contraire, se devait de protéger son empire. D'après tout ce que l'on peut savoir de lui par les évangiles, c'est une image moderne que nous nous faisons de Jésus, tel que l'homme d'aujourd'hui se le représente. Ce qu'on appellerait en allemand le bon petit Jésus, le gentil sauveur. Ce n'est pas le vrai Jésus. Jésus vient remplir les promesses de Dieu à Israël. Il vient en tant que prophète de la fin des temps. C'est un prophète messianique qui vient pour accomplir les promesses que Dieu a faites à son peuple. Il porte l'espoir d'Israël. C'est comme ça qu'il se manifeste. Alors, il leur pour qu'il fût Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il Re dei Giudei. Multi giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. La vie de Jésus a été transformée par le récit des évangiles en vie de Jésus-Christ. Jésus va devenir au Christos comme le disent les textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire le Christ, le Messie. Mais quand ce changement s'est-il produit du vivant de Jésus, juste après sa mort ou longtemps après. Il ne faut pas penser simplement euh, en termes de décalque immédiat euh, des textes évangéliques sur ce qui s'est passé dans l'histoire de Jésus. Ça, on ne le sait pas. Mais ce qui est clair, je ne sais pas, moi personnellement, si Jésus a refusé d'être appelé le Christ, le Messie. C'est très possible. En tous les cas, les évangélistes se sont refusés à ce que ce soit publiquement dit. Autrement dit, ça voudrait dire que le titre de Machia, de Christos, ne pouvait être donné à Jésus qu'après sa mort. Et on voit bien pourquoi. C'est que rien dans le déroulement de la vie de Jésus, tel que nous le racontent les évangiles, donc pas sa vie historique, mais euh, sa biographie légendaire, Jésus n'a pas les caractères tous les caractères du Messie puisque normalement s'il était le Messie il ne serait pas mort sur une croix, c'est impensable d'une part et que d'autre part, il aurait été reconnu comme le Messie et donc euh, il aurait euh, pris la tête euh, non seulement d'un mouvement mais du peuple. He obviously isn't Évidemment, Jésus n'était pas le Messie comme il le pensait, celui qui rétablirait la souveraineté d'Israël. Mais d'un autre côté, il devait être envoyé par Dieu parce qu'il continuait à faire des miracles après avoir été crucifié. Il avait ressuscité, il parlait, il mangeait, il buvait, il montrait ses blessures, il était toujours là, on pouvait mettre le doigt dans ses plaies. Bon, ils ont pensé qu'ils pourraient réaliser autre chose que la restauration politique d'Israël. Et c'est le processus qui l'a transformé en Christ, par opposition au Messie. C'est là que le mot Christ a pris un sens différent. Après les événements de la résurrection, aussi mystérieux soit-il, la communauté croyante, les disciples, se sont mis à proclamer Yeshua Mashiach en araméen, Jésus Christos, Jésus est le Messie, Jésus est le Christ, ou simplement Jésus-Christ. Comme un titre, on peut le comprendre comme une profession de foi. Le Messie, c'est Jésus, comme le dit Paul. Curios en grec, le Seigneur, c'est Jésus. Très vite, incroyablement vite. Christos est devenu un nom propre qui exprime qu'à part Jésus, il n'y en a pas d'autre, que Jésus n'est pas un imposteur. Il est le Messie. Mais comment le devient-il si rapidement? Autrement dit, comment passe-t-on du titre au nom propre? Nous ne savons pas pourquoi cela s'est passé si vite. Ce que nous savons, c'est qu'à l'époque où est écrit le premier évangile, en 65, ou même à l'époque où Paul écrit au début des années 50, la première épître aux Thessaloniciens, par exemple, vous avez déjà le mot Christ comme deuxième nom de Jésus. Si Jésus a été crucifié en 33, l'année traditionnelle, c'est donc entre 33 et 50 que Christ est devenu un nom, un deuxième nom. C'est vrai que tant que Jésus a été vivant, il n'y a pas eu de Jésus-Christ. Euh, mais c'est vrai aussi que dès qu'il a disparu et que les chrétiens ou les disciples ont commencé à se poser la question de savoir... Euh, si son message et son action avaient toujours une euh, certaine actualité, il est devenu à leurs yeux Jésus-Christ. Quand les évangiles sont apparus, il y a eu des disputes entre les juifs et les juifs chrétiens. Les chrétiens disaient, Jésus est le Christ en se fondant sur l'interprétation des Écritures. Les juifs répondaient, mais non, il n'est pas le Messie car il a été un faux prophète. Il a été un homme possédé par les démons. Il a été un séducteur. Ce sont les termes qu'on trouve dans l'Évangile. Il a été un séducteur. Il a voulu se proclamer roi. Il a vécu avec les publicains. Il a été l'ami des prostituées. Il avait comme disciple une femme, une prostituée. Il a mangé avec les pauvres. Il a mangé avec les aumônes destinés aux pauvres... Et lui et ses disciples vivaient d'aumônes. C'est le philosophe Cels qui l'a entendu des, dire, entendu les dire par les Juifs. Les, qu il, qu il dit, alors, alors, les évangélistes, informati, les évangélistes et, prennent des aussi des renseignements sur Jésus des, des chez les Juifs. Judaïs, mais ils ont mais interprété toutes lui, ces informations. Qui, là, avec les images du Messie, avec les passages de l'Ancien Testament qui pouvaient être lus comme des prophéties. Ils ont regardé dans la vie du Christ les signes de similitude, les combinaisons à faire avec le Messie biblique. Ils ont censuré les informations négatives qui, pour eux, provenaient de gens envieux, de ceux qui voulaient la mort de Jésus, de ceux qui étaient jaloux, avides de pouvoir. Ils ont reconstitué le Jésus historique avec les morceaux qui restaient après la censure. Donc, ils ont pris l'image du Messie selon la Bible et l'ont pour ainsi dire incarné. Ainsi est apparu le Christ des Évangiles. Alors, quand je dis que Jésus a existé, c'est parce que je trouve ses os, pour ainsi dire, dans les évangiles. Ce n'est pas tant que les évangiles ont créé des éléments sur Jésus, c'est surtout qu'ils en ont supprimé. C'est une réponse prudente. Et puis, il y avait des gens qui pensaient à créer un Christ pacifique à créer un Christ à vocation religieuse, moralisante, spiritualiste, universaliste. Il me semble que le problème n'est plus tant de minimiser le Christ, de chair et de sang, le Christ nationaliste et rebelle, que de faire avec le reste, avec ce qui subsiste. Et alors, historiquement, nous devons nous poser la question, pourquoi quelqu'un voudrait-il faire tout ça, prendre un homme qui n'est ni anti-romain, ni un chef spirituel, pour en faire quelqu'un d'important. Donc je dirais que ce qui s'est passé, cette, cette combinaison, combinaison ce qu'aujourd'hui nous appellerions « religion et politique » a été en quelque sorte déviée lorsque la politique a été mise en sourdine. Ce sont les chrétiens qui ont dépolitisé le titre de, de Messie et ils l'ont dépolitisé, au fond, non sans raison, parce que Jésus lui-même dénationalisait sa sa reprise de l'espérance messianique. Mais la volonté, évidemment, des chrétiens, des premiers chrétiens, a été, dans cette foulée-là, évidemment, d'accentuer encore la dépolitisation, à la fois pour se distancer de la piété juive et en même temps pour donner des gages à l'autorité romaine qui devenait l'autorité, je dirais, euh, euh, présente dans cet immense espace qui était l'Empire romain où le, le christianisme allait s'acclimater. Justin met dans la bouche de Trifon cette objection le Christ a supposé qu'il soit né je commande donc ça n'est pas impossible et qu'il existe quelque part je commente encore ce serait possible c'est un inconnu il ne se connaît même pas lui-même il n'a aucun pouvoir tant qu'Elie ne sera pas venu loindre, c'est-à-dire en faire le Machar, le Messie, le Christos, et le manifester à tous. Et il ajoute, vous, ce que vous avez accepté, c'est un on dit, donc une, ce qui est dit, une légende, mais qui n'est pas vérifiée, vous vous êtes façonné vous-même un Christ. Un Christos, c'est-à-dire celui que vous appelez le Machiar, le Christos. Bon. Autrement dit, on voit que la polémique porte non pas du tout sur la possibilité qu'il y ait un homme qui soit même le Messie, mais qui n'est pas encore révélé, tant qu'il n'est pas venu pour loindre et, et le manifester à tout Israël. Euh, ce qui est en question pour euh, ce juif qu'est Trifon, ce rabbin qu'est Trifon, c'est euh, ce qui est, fait, est effectivement peut-être le point faible dans la polémique, le point faible du côté chrétien, c'est d'avoir dit que Jésus était Christos. En fait, le mot Christ devient avec le temps un mot qui crée une séparation, une cloison, un écran entre le judaïsme et le christianisme. Car le christianisme a pris le mot Mashiach, Messie, et a introduit une nouvelle interprétation de la royauté. C'est-à-dire un renouveau de la notion de royauté avec un sens religieux et non plus politique. Le judaïsme associe dans le Messie un renouveau politique et un renouveau religieux. C'est toujours lié au royaume de David. Le christianisme a pris le mot Messie. Il le lit à la maison de David, mais en lui donnant une toute autre interprétation. Paradoxalement, c'est un philosophe juif qui l'a dit. Chaque Messie est un homme qui viendra. Et s'il est déjà venu, c'est un faux messie. Pour qu'un homme soit un vrai messie, il doit donc venir. Dans le futur lointain. Il passer, c'est faux, erroné, chacun. Jésus est mort crucifié par les Romains. Les défaites de 70 et de 135 vont définitivement marquer l'écrasement des Juifs. Pendant ce temps, en moins d'un siècle, les évangélistes vont transformer Jésus, le prophète galiléen, en Christ universel. Comment un tel retournement de l'histoire a-t-il pu se produire sinon par l'écriture Par qui ont été écrits les textes du Nouveau Testament le disciple bien-aimé est-il l'auteur de l'évangile attribué à Jean